Bonjour, aujourd'hui on va parler des interruptions externes et des capteurs à infrarouge. Le plan de la présentation, on va commencer par parler des interruptions externes. Donc, il y a différents types. D'abord, synchrone, asynchrone. Il y en a qui sont configurables, d'autres qui sont fixes. Il y en a qui sont combinés, donc qui partagent par exemple le même vecteur d'interruption, d'autres qui sont seuls. Ensuite, on va discuter plus spécifiquement des interruptions du Atmega 32U4. Il y en a trois types sur celui-là. On va voir les principaux registres de configuration. On va aussi faire des exemples. Ensuite, on va discuter de la détection infrarouge pour un certain type de capteur qu'on va utiliser dans notre projet. On va voir qu'on peut s'en servir pour détecter la présence, mais en plus, on peut distinguer le noir et le blanc, donc une forme de couleur. On va voir les deux capteurs infrarouges qui sont utilisés dans notre projet à la fin. On va voir les schémas de ces capteurs-là, les spécifications des capteurs et on va faire des exemples. Alors, les interruptions externes. L'avantage d'utiliser une interruption externe, c'est qu'elle va nous permettre de faire de la détection de façon automatique. Donc, on n'aura pas besoin d'aller lire sporadiquement une entrée pour vérifier s'il y a eu un changement sur cette entrée-là, comme on faisait par exemple pour les boutons. Donc, les boutons, on va les lire à toutes les 100 millisecondes. Donc, ça occupe quand même une partie de notre programme principal, mais il est possible de le faire de façon automatique à partir d'une interruption externe. Pour les types de changements, bien, il y en a différents. D'abord, on peut utiliser le front montant, le front descendant. On peut aussi utiliser un état, donc par exemple l'état haut ou bas. Bon, les interruptions peuvent être synchrones ou asynchrones, dans le sens que s'ils sont synchrones, c'est qu'ils vont avoir besoin d'une horloge active à l'intérieur pour faire leur détection, tandis que les asynchrones fonctionnent sans horloge. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller plus vite ou moins vite, c'est vraiment au niveau du type. Donc, par exemple, si on est dans des fonctions de sommeil de notre microcontrôleur, ça peut changer le type d'interruption externe parce que certaines permettent de fonctionner sans l'horloge activée. Ils peuvent aussi avoir un vecteur d'interruption associé à chacun de leurs éléments déclencheurs ou partager plusieurs déclencheurs. Par exemple, plusieurs broches qui auraient des interruptions externes reliées dessus et qui partageraient tout le même vecteur d'interruption. Si on regarde au niveau du Atmega 32U4, on a d'abord 8 interruptions externes disponibles sur le port B. Pour ces interruptions-là, elles sont asynchrones. Ils vont partager le même vecteur d'interruption, PCIO. Celles-ci vont déclencher l'interruption sur un changement d'état à l'entrée. On a aussi les interruptions 0 à 3 sur le port D. Elles sont aussi asynchrones. Ils ont un vecteur d'interruption unique, donc chacune des quatre a son propre vecteur d'interruption. Le type du déclencheur est configurable, donc, tandis que dans le premier cas, c'était un changement. Donc, on peut utiliser le niveau bas, tous les types de changements, un front descendant ou un front montant. On a finalement Int 6, qui est synchrone, qui est un vecteur que son vecteur d'interruption à elle. Il y a aussi un type configurable pour l'interruption, donc le niveau bas, tous les changements, front descendant puis front montant. Donc, c'est les trois groupes d'interruptions externes qu'on a de disponibles sur le Atmega 32U4. Si on regarde les registres qui sont reliés à le groupe sur le port B, donc PC, INT 0 à 7, leur nom nous rappelle que ce n'est pas vraiment configurable, donc ça va réagir sur un changement de la broche, donc pin change, interrupt. Donc ici, on a le premier registre qui est Pin Change Interrupt Control Register, PCICR, qui a un seul bit d'important dessus. C'est le Pin Change Interrupt Enable. Bon, on se rappelle, ce groupe-là partage le même vecteur d'interruption. Donc, une fois qu'on l'active, l'interruption va être déclenchée pour peu importe laquelle. Donc, il va falloir, dans ce cas-ci, aller lire les ports pour faire des analyses de qui a déclenché. Ensuite, on a le Pin Change Interrupt Flag Register. C'est un bit qui va être activé à partir du moment où ce que l'interruption a été déclenchée. Donc, par exemple, si on a configuré qu'une des entrées déclenche l'interruption et que c'est arrivé, donc ce flag-là va être activé
au moment que l'interruption va être appelée. On a aussi le registre Pin Change Mask Register qui, au fond, décide lesquels, laquelle ou lesquelles des broches va déclencher l'interruption. Donc, si sur le port B, chacune des broches est associée à un PC INT 7, par exemple pour PB7, PC INT 6 pour PB6 et ainsi de suite jusqu'à PB0, par exemple, qui est associé à PC INT 0. Donc, quand on active ces bits-là, bien, les broches associées vont déclencher l'interruption s'il y a des changements d'état dessus. Ensuite, on a les registres associés aux interruptions INT 0 à 3. Donc, elles, on se rappelle, étaient configurables, donc on va avoir plus de contrôle dessus. Le premier registre qui va nous intéresser, c'est EICRA pour External Interrupt Control Register A. Dans son cas, bien, ici, on a 7 bits qui vont dessiner du type de détection qui va avoir lieu. Donc, si on regarde par rapport à chacun des groupes, parce qu'au fond, on a 2 bits associés à chacun, on a 4 interruptions, 8 bits, donc chaque groupe ici, là, on voit là, le premier ici est associé à INT0, INT1, INT2, INT3. Puis les configurations qu'on a ici bien, vont décider comment on va réagir. Donc si c'est 0,0, c'est le niveau bas qui va générer l'interruption. Si on a 0,1, tous les changements sur la broche vont déclencher l'interruption. Si on a 1,0, les fronts descendants vont générer l'interruption. Puis finalement, si on met 1,1, c'est les fronts montants qui vont déclencher l'interruption. On a aussi une information par rapport au temps minimum de l'impulsion. Donc par exemple, si on avait une transition extrêmement rapide sur la broche et que cette impulsion-là dure moins de 50 nanosecondes, bien, c'est pas suffisant pour venir énergiser l'entrée puis faire changer son état interne. Donc il y a comme un minimum d'énergie à transférer durant une certaine quantité de temps. Ce temps-là, c'est 50 nanosecondes pour ces entrées-là. Donc si l'impulsion dure moins de 50 nanosecondes, c'est pas suffisant. Il ne va pas être capable de charger les capacités internes, puis il ne détectera pas. Ensuite, on a External Interrupt Control Register B. Lui, il a 2 bits associés, puis ben, lui, il est associé à INT6. Donc, c'est un peu le même format que les 4 précédents. La seule différence, c'est que celle-ci, elle était synchrone. C'est les mêmes configurations, 0,0, ça déclenche sur le niveau bas, 0,1, tous les changements, 1,0 sur les fronts descendants, puis 1,1 sur les fronts montants. On a finalement le registre qui masque les interruptions. Donc, si jamais on veut activer une de ces 5 interruptions-là, donc la 6 est dans le même registre, on va utiliser chacun des bits associés à celle qu'on veut activer. On va faire des exemples éventuellement. Puis à chacune de ces broches-là, à chacune de ces interruptions-là, est associé un flag pour nous dire quand il a été déclenché. Ça laisse des traces dans ce registre-là. Habituellement, on ne l'utilise pas, ça se fait automatiquement, ça se remet tout seul à zéro, mais dans certains cas, on peut vouloir le lire. Dans un premier exemple, ce qu'on va faire, on va utiliser un bouton sur PD0. Donc, on se rappelle, les boutons, c'était quand même un petit peu de travail quand on voulait détecter uniquement sur le moment où ce qui était appuyé ou relâché, dépendamment de ce qu'on voulait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer l'interruption sur PD0 pour qu'elle détecte sur un front descendant. Nous, nos boutons, on les laisse habituellement à 5 volts quand ils sont au repos, donc ils sont actifs bas. Donc, c'est pour ça ici que ce qui nous intéresse, c'est le front descendant pour l'activation du bouton. Donc, première chose, je démasque l'interruption ici. Ensuite, la ligne sur EICRA, on se rappelle les configurations. Si on veut que ça soit un front descendant, c'était 1,0 la configuration. Donc, là, dans ce cas-ci, on va juste activer le bit 1 associé. Moi, je ne veux pas avoir à mettre des pull-up physiques, donc je vais activer la pull-up interne pour PD0. Puis j'active ici, puis je démarre ici les interruptions. Dans la boucle infinie, tout ce que je fais, c'est aller lire est-ce que je dois faire un rafraîchissement du serial parce que tout ce qui fait en interruption, donc quand le vecteur d'interruption associé à INT0 est déclenché, bien, tout ce qu'on fait, c'est incrémenter un compteur pour dire qu'il y a eu un événement sur le bouton,
puis d'envoyer un message sur le port série pour informer qu'il y a eu ce changement-là. Dans le même, tout ce qu'il fait, c'est dire est-ce que j'ai un rafraîchissement à faire sur le port série? Si oui, il crée le message puis il l'envoie sur le port série. Bon, là, j'utilise le port série à partir du moment où ce que maintenant on a les librairies UseArt de disponibles. On va les utiliser, c'est souvent très pratique, plus pratique là, que le LCD dans bien des cas. Donc, on va faire cette démonstration-là. Ici, ce que j'ai fait, c'est que sur le montage, j'ai pris le bouton qui est ici. J'ai enlevé les autres pour que ça soit moins mélangeant. Puis je me suis ajouté un fil ici qui s'en vient jusqu'à PD0. Donc, PD0, le truc, c'est que juste à côté du ground qui est ici sur le montage, vous ne voyez peut-être pas, mais il est en dessous des fils ici, mais ces deux à côté, on trouve PD0. Donc ici, j'ai le code, j'ai mis le code dans un nouveau projet, donc exactement celui qu'on voyait tantôt. La seule différence, c'est que mon UserTestNet maintenant demande d'avoir la fréquence du cristal parce qu'il calcule lui-même le baud rate. Donc, je lui dis quel baud rate que je veux, puis la fréquence CPU. Puis, je me suis envoyé un petit message là, pour dire que c'est le début du programme. C'est pas nécessaire, c'était juste pour le plaisir. En même temps, ça permet de valider que l'affichage fonctionne à la base. L'initialisation, donc c'est vraiment pas compliqué. Là, si on compare à toutes les initialisations qu'on faisait précédemment, il n'y a pas vraiment de calcul ici. C'est vraiment juste de dire telle broche sur laquelle il y a une interruption disponible, je veux que tu l'actives. Et la configuration, quand ils sont configurables, on va voir port B, c'est pas configurable, c'est un changement peu importe lequel. Mais dans ce cas-ci, pour celle-ci, on peut dire qu'on veut juste réagir sur un mode. Dans ce cas-ci, on a dit le front descendant, donc quand on appuie, on voit, je vais maintenir le bouton appuyé, puis ça ne va rien faire. Ça va le déclencher juste une fois. Puis pour savoir c'est quelle part, bien naturellement, on doit utiliser la feuille de spécification pour aller voir chacun des ports, c'est quoi les interruptions associées. Parce que là, on voit les registres, mais on ne sait pas à quelle broche ça correspond. Donc, si on regarde, par exemple, sur la feuille de spécification, on peut avoir que int 0, il est associé à PD0, int 1, PD1, int 2, PD2, int 3, PD3. Puis avec un gros suspense, on va essayer de trouver int 6. Ici, on voit les pin change, int 5, int 6 qui sont associés aux broches correspondantes. Puis finalement, le int 6 qui lui est synchrone est sur PE6. Donc c'est la seule différence là. Ils sont assez faciles à identifier. Donc ici, je mets ma pull-up interne active sur PD0. J'activais les interruptions, puis j'attendais d'avoir un événement créé dans l'interruption ici, le traitement de l'interruption. Je fais juste incrémenter un compteur qui commence à 0. Puis je dis de rafraîchir le port série. Donc, je vais charger le programme à l'intérieur. On a le début du programme, bouton event counter est égal à 0. Donc ça, c'est déclenché automatiquement au lancement. Puis maintenant, si j'appuie une première fois, je vais le tenir enfoncé. Il est déclenché sur le front descendant. Là, naturellement, si je le relâche, il ne va pas déclencher une deuxième fois. Donc, il nous permet vraiment de compter automatiquement le nombre de fois qu'on a appuyé sur le bouton, donc sans tout le traitement qu'on avait à faire. Bon, naturellement, là, ça vient d'utiliser une ressource interne, mais si elle ne sert pas à d'autres choses, pourquoi pas l'utiliser comme ça? Donc ça, on a ça de disponible sur PD0, 1, 2, 3, puis E6. Il y a une petite différence avec le port B. Donc dans le port B, il déclenche un vecteur d'interruption. Donc tout le monde va déclencher le même vecteur d'interruption. Il va falloir faire un traitement à l'intérieur de l'interruption pour détecter qui est à l'origine de cette interruption-là. On va faire un deuxième exemple. Dans celui-ci, on va utiliser justement PB4 et PB5 pour faire des détections de boutons. La première configuration qu'on fait, activer les pull-ups correspondantes. Ensuite, on active l'interruption PCIN0. Donc, on n'a pas à le faire, on n'a pas activé plusieurs interruptions, on a juste une dans ce cas-ci. Puis finalement, le masque,
où je vais activer les interruptions correspondantes à 4 et 5 pour PB4 et PB5. Puis à l'intérieur de l'interruption PC IN 0, on va voir, premièrement, ce qu'on va voir, c'est est-ce que il déclenche sur la transition descendante et montante. Et en plus, le fait qu'on va voir, là, c'est aussi les deux boutons vont déclencher, vont générer l'effet. Donc maintenant, on peut retirer le code qu'on avait précédemment. On va garder les deux variables parce qu'on va les utiliser dans l'autre traitement d'interruption. Le début reste le même, c'est juste la configuration ici qu'on va remplacer. Petit retour. Ici, on activait les pull-up, on activait l'interruption générale sur le port B et on démasquait les PC IND 4 et 5, donc respectivement pour PB4 et PB5. Au niveau du montage, j'ai ajouté un autre bouton. On va juste le placer correctement. Okay. Donc, j'ai ajouté un autre bouton à côté ici, puis j'ai redirigé mes deux fils sur PB4 et PB5. Pas le meilleur montage au monde, mais c'est temporaire étant donné que j'avais déjà un montage qui utilisait d'autres choses. Au niveau du main, ça ne change pas non plus. Donc, il va nous rester à emmener la gestion de l'interruption. Dans ce cas-ci, on ne fait aucun traitement, on fait juste incrémenter, peu importe le bouton qui déclenche, on envoie ça. Puis on voit le début du programme, le bouton event counter est à 0. Si j'appuie sur un des deux boutons, il déclenche sur le front descendant et il déclenche aussi lorsque je relâche. Donc à chaque fois que j'appuie, il déclenche deux fois et ça va faire la même chose sur l'autre bouton. Donc en ce moment, c'est un peu agaçant parce que il n'y a pas vraiment façon de savoir qui a déclenché cet événement-là. Alors, il y aurait un moyen assez facile, par exemple, pour distinguer les deux. Dans ce cas-ci, imaginons qu'on veut utiliser le port B pour nos boutons, mais tout ce qu'on aura à faire, c'est dans l'interruption ici, de détecter c'est lequel des boutons qui est à zéro. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, on pourrait dire, OK, on va distinguer quand c'est PB5, on veut incrémenter, mais pas quand c'est PB4, puis on veut juste réagir sur le front descendant. Donc là, c'est super simple, parce qu'on a juste à réagir quand le bit de PB5 est à 0. Ici, on ajoute une condition qui dit est-ce que pin B est le bit 5? Donc on vérifie si le bit 5 est égal à 0. Puis on déplace notre code à l'intérieur pour incrémenter puis demander le rafraîchissement. Donc ça ne sert à rien de rafraîchir dans ce cas-ci. Au fond, il va venir dans l'interruption, mais il ne fera rien avec ça pour ce qui est de PB4. Donc, si j'appuie sur PB5 et que je relâche, il réagit juste sur le front descendant. Donc ça, c'est bien. Puis si j'appuie sur PB4 à côté, il n'y a aucun effet. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des compteurs différents sur tous les boutons. Là. On peut imaginer, ça fait un qui fait le plus, l'autre qui fait le moins. On peut utiliser quand même assez facilement le port B pour faire la détection des boutons, puis la détection des transitions qui fonctionnent juste sur le front descendant ou front montant. En quelques clics, c'est fait. Puis on a toute notre sélection qui se fait ici. Mais en plus, c'est que dans le main, on n'a rien à faire. On n'a pas à aller à toutes les 100 millisecondes, lire les boutons, regarder l'état précédent. Donc c'est beaucoup plus simple pour faire la gestion des boutons. C'est très approprié pour ce genre de gestion-là. Donc ici, à la fin, on demandait de proposer des solutions justement pour incrémenter sur PB4 puis décrémenter sur PB5, par exemple. Donc un qui fait plus, l'autre qui fait moins. On pourrait faire ça aussi. On a vu l'idée en arrière. Donc, on pourrait aussi le faire, le changement, là, pour que PB4 augmente, PB5 diminue. Bon, ici, ce qu'on peut faire, on peut sortir le refresh serial, puis on va réagir dans les deux cas maintenant. Puis, là, on a dit PB4 va incrémenter, puis PB5 va réduire. Excellent. On envoie ça. On regarde sur la console, on sait qu'on est parti à 0. Donc, j'appuie sur PB4. Ah oui.
Oui, le problème, c'est que là, ben, il incrémente juste sur les fronts descendants, mais il fait deux affichages. Ouais, okay. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est, non, on va mettre le refresh uniquement sur un vrai changement de notre compteur. Peut-être plus approprié comme ça. On démarre ça. Donc, si j'ouvre la console, on réessaie. Donc, quand j'appuie et je relâche, il fait rien. Juste sur quand j'appuie. C'est bon. Donc, il incrémente sur PB4 et il réduit sur PB5 de façon automatique. Excellent. Puis juste sur les fronts descendants. Donc, c'est très réactif. Puis, on n'a pas à se soucier d'une histoire avec une base de temps à l'interne. C'est vraiment très pratique. On ne fera pas d'exemple sur le port E6. Sur PE6 pour INT6, là, où je pense que vous êtes capable de figurer maintenant comment configurer ces interruptions-là. C'est assez facile, deux, trois lignes, puis c'est réglé. Naturellement, ça va dépendre aussi du type. Là, on utilisait ça avec des boutons, on activait des pull-ups. Dans certains cas, on n'a même pas besoin de faire cette activation-là. On a juste besoin de savoir c'est quoi la pin avant de relier quelque chose dessus. On est rendu à parler des capteurs infrarouges. Donc, la détection infrarouge fonctionne normalement sur émetteur-récepteur. Donc, dans un cas, on a une première LED qui va émettre de la lumière infrarouge. Bon, ça pourrait être dans un autre vecteur puis générer quand même de l'infrarouge, mais la plupart de ces LED-là sont invisibles à l'œil. Au niveau du récepteur, ben, c'est une membrane qui va être sensible aux infrarouges puis qui va permettre de polariser. Dans ce cas-ci, l'équivalent d'un transistor qui va se polariser avec les infrarouges. Vous avez le circuit un peu qui va représenter comment on interface ça. Donc, dans un premier temps, on met la LED émettrice. Dans ce cas-ci, ben, on a un exemple où elle est reliée de façon permanente à 5 volts. Puis, de l'autre côté, on a la LED, mais qui est réceptrice, qui est donc un élément photosensible qui va polariser un transistor, l'équivalent d'un transistor interne. Si on met l'équivalent d'une pull-up, comme ici une 10K au 5 volts, mais ça nous permet d'avoir un niveau haut quand il n'y a pas d'infrarouge et un niveau bas quand il y a de l'infrarouge qui est détecté. Bon, l'infrarouge a un grand ennemi, c'est d'abord le soleil. Donc, le soleil émet des infrarouges. Donc, souvent, c'est une chose qui va nous causer des problèmes en robotique. Si jamais, par exemple, on a fait des capteurs qui réagissent à l'infrarouge, mais qu'on ne les a pas filtrés ou qu'on n'émet pas sur. Bon, il y a des techniques là, où on peut émettre, comme dans ce cas-ci, il est permanent l'activation, mais on pourrait émettre une onde, donc une modulation de signal à l'intérieur et réagir sur cette modulation de signal-là de l'autre côté pour distinguer, par exemple, du signal permanent, de la polarisation permanente qui vient du soleil. Parce que c'est ça, le problème, c'est que le soleil va réussir à polariser dans une certaine mesure ben, la photodiode qui est ici, dépendamment, par exemple, à quel point vous êtes proche d'une fenêtre ou si vous êtes à l'extérieur. Donc, ça pourrait faire des fausses détections. Faut faire attention à ça. Donc, il faut se rappeler que c'est un élément qui peut perturber notre système de détection, le soleil. Il y a d'autres contaminants auxquels il faut faire attention maintenant, comme par exemple l'éclairage OLED. Donc, l'éclairage OLED, il y a une partie qui est visible, mais il émet quand même une bonne partie d'infrarouge et qui vont causer des problèmes là, au niveau des systèmes qui vont utiliser des capteurs infrarouges. Donc, ce n'est pas impossible que vous ayez un jour à jouer avec ça. Et finalement, ben, il y a d'autres émetteurs infrarouges qui pourraient contaminer. Puis, par exemple, si vous mettez des capteurs trop proches l'un de l'autre, puis les capteurs, souvent, ils ont l'émetteur-récepteur. Donc, si vous approcher des capteurs trop proches, mais éventuellement la LED qui émet dans le capteur 1, par exemple, pourrait interférer avec la lecture qui est faite du capteur 2. Donc, toujours des points là, à faire attention dans vos projets. Donc, ça, c'est une façon de faire. Mais une autre façon de faire, c'est d'utiliser la réflexion. Donc, si on projette de l'infrarouge vers une surface, mais il y en a une bonne partie qui va être réfléchie. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est par exemple si j'ai une surface blanche, une bonne partie des infrarouges qui vont être retournés vers le capteur qui est ici sur le côté. Donc, ça nous permet, à une certaine distance, de détecter par exemple la présence d'un objet. Il faut que l'objet soit réfléchissant. Okay? Puis c'est un peu ça la clé.
Faut faire attention, il y a certains objets qui ne réfléchissent pas. Par exemple, la vitre, okay? La lumière, la majorité de l'infrarouge va passer à travers. Donc, ça, on ne le verra pas avec le capteur, puis on va rentrer dans la vitre avec, par exemple, un robot qui utiliserait l'infrarouge seulement pour détecter la présence des objets. Donc, l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Une phrase de Michel Jouvet. C'est justement ça. C'est un problème que vous allez avoir souvent avec les capteurs. Bon, ne pas détecter, par exemple, des présences parce qu'on n'a pas eu de réflexion de signal. On peut aussi utiliser le fait que la couleur noire ne réfléchit pas pour justement détecter la couleur noire. Donc, si on a un objet qui est mis à proximité et qui est, par exemple, un ruban noir au sol, bien, ça nous permet de détecter la présence de ce ruban noir-là, par exemple. Parce que quand on va passer au-dessus, la LED émettrice, toutes ces ondes ne seront pas réfléchies. Donc, le capteur sur le côté, lui, ne reçoit aucune réflexion et il pense que les ondes sont parties à l'infini. Donc, il n'y a rien devant lui. Donc, ça fait l'effet d'un vide pour le capteur. Donc, il y a un objet, il est noir, mais il ne le voit pas. Dans ce cas-ci, parce qu'il est noir, il ne va pas retourner l'infrarouge. Alors que quand la surface. Pas besoin d'être blanche, là, elle peut être toutes sortes de couleurs. Le blanc, c'est comme la meilleure parce que c'est celle qui va réfléchir le plus, mais les autres aussi vont fonctionner. Mais celles qui vont être loin du noir, si on veut, va faire en sorte qu'il va y avoir de l'infrarouge de refléter en quantité habituellement suffisante pour qu'on soit capable de détecter la présence de l'objet. Donc, c'est ça qu'on va utiliser, nous, justement, avec le ruban noir par terre. Parce que bien, quand on va passer par-dessus le ruban noir, il va nous apparaître comme étant pas là, mais le reste du temps, le reste du sol, on le détecte. Donc, c'est comme si tout d'un coup, un de nos capteurs voit le vide, puis ça va nous permettre au fond de détecter le noir. Donc, le noir absorbe les infrarouges, ce qui va nous apparaître comme le vide, ou presque. Là, il y a une certaine quantité qui est quand même retournée. Bon, les tapes électriques qu'on utilise, là, il y a une partie qui est réfléchissante quand même. Puis, on est chanceux, nous autres, on a des capteurs qui ont un ajustement, donc on va pouvoir ajuster notre capteur pour le rendre moins sensible. Ou si, dépendamment si vous faites vos tests, on en a parlé, le proche des fenêtres, ça pourrait vous jouer des tours, ou l'éclairage, dépendamment du type d'éclairage que vous avez. Nous, on va utiliser le capteur TCRT 5000. Ben, c'est un capteur utilisé dans plein de modules de détection infrarouge. Si on regarde sa réaction ici en millimètres, bon, il y a son maximum de détection autour de 2 mm, mais il détecte quand même assez bien sur une certaine distance. Nous, on va l'utiliser là à environ un petit peu moins que 1 cm quand même. Donc, on va être capable de l'utiliser dans sa courbe, mais un petit peu moins saturée qu'ici. L'année passée, on utilisait le capteur de distance qui est illustré ici. Donc, j'ai décidé de le présenter quand même, étant donné que c'est une variation qui existe et qui nous a causé quelques problèmes l'année passée. Donc, utilise les deux, le TCRT 5000, autant celui qu'on va utiliser cette année que celui qu'on utilisait l'année passée. Mais au niveau de celui-là, un des problèmes qu'on avait, c'est que ben, il n'y avait pas d'ajustement dessus. Donc, pour l'ajuster, il fallait vraiment ajuster la hauteur du capteur pour faire varier sa sensibilité. Donc, c'était des ajustements mécaniques qui étaient un petit peu agaçants à faire. Ça va dépendre des spacers que vous avez de disponibles. Il y a plein d'autres facteurs aussi. Éventuellement, si on monte trop, on se ramasse que les capteurs autour commencent à nous lancer des infrarouges. Donc, on devient sensible à eux aussi. Donc, on rentre dans toutes sortes de situations plus ou moins le fun. Donc, celui-là, il utilisait une porte de type inverseur. Donc, ici, on a un 74, ici, on a un 74 HC 14 qui est utilisé. Donc, à son entrée, bien, il y a le signal 1, puis au fond, à sa sortie, il y a un 0 associé à s'il n'y a pas d'infrarouge, puis s'il y a de l'infrarouge, donc s'il y a une réflexion, bien, il va déclencher. Puis, dans ce cas-ci, il va nous envoyer un 0 à l'entrée et un 1 à la sortie. Le LED va afficher. Donc, le LED allume quand on approche du capteur. Bon, ici, comme je disais, un des problèmes qu'on a avec ce circuit-là, qui est une très bonne idée dans un sens, le seul problème, c'est qu'on n'a pas ici de comparaison. Donc, c'est préférable
dans ce type d'application-là d'avoir un ajustement. Alors, cette année, on utilise un autre type de capteur qui, lui, utilise un comparateur sur lequel il va avoir sur lequel il y a un potentiomètre qu'on peut ajuster. Donc, ça nous permet, donc ici, sur la pin 2, qui nous permet de faire l'ajustement du niveau de comparaison. Donc, ça, c'est un gros avantage d'utiliser ce genre d'approche-là. Ça va nous permettre d'ajuster le niveau de comparaison sans avoir à ajuster la hauteur du système. Bon, la circuiterie fait aussi que c'est un système qui était quand même plus performant, même dans des éclairages contaminés, comme par exemple avec une partie de LED dans l'éclairage de base. Donc, c'est pour ça. Puis aussi, avec des tests que j'ai faits, il performait mieux aussi quand on avait des surfaces qui étaient moins faciles à distinguer, par exemple un bois foncé, plancher de bois foncé que j'ai ici, avec du tape électrique. L'année passée, il fallait vraiment mettre une surface blanche pour être capable de distinguer. Maintenant, tant qu'on a un changement significatif entre les deux surfaces, c'est suffisant là, pour ici, étant donné qu'on peut changer le niveau de comparaison de notre comparateur. Une autre chose qui est intéressante avec ce capteur-là, c'est qu'il y avait sur ces broches la sortie analogique. Donc, si on voulait, on pourrait s'en servir aussi pour détecter la distance d'un objet. Okay? Donc, on pourrait se servir de l'information analogique. Dans des cours un petit peu plus tard, on va faire la lecture analogique des signaux à partir du Atmega 32U4. Puis là, on pourra utiliser ce capteur-là justement pour détecter une distance qui varie par rapport à notre capteur. Donc, c'est intéressant là, qu'il nous offre le signal analogique directement sur le connecteur de sortie. Bon, cette année, nous, on va utiliser la partie numérique parce qu'on ne fait pas de lecture analogique dans notre projet de robot. Bon, si on veut ajouter le capteur, tout ce qu'on a à faire de différent, c'est au fond au niveau des masques pour PB6. Maintenant, on va activer les bits pour PB4, PB5. Puis PB6, donc l'interruption PCIN 4, 5 et 6. On a juste activé un autre bit, donc ça nous donne 0x70 pour l'activation de 4, 5, 6, des bits 4, 5, 6. Ensuite, dans l'interruption, ce qu'on fait, on se fait une variable qui s'appelle objet détecté. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait un masque sur pin B. Puis dans l'affichage, on fait si objet détecté, on va envoyer le message détect. Puis sinon, on n'en voit rien. Donc, c'est quand même un petit test assez facile pour voir l'utilisation du capteur. Mais en parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur l'oscilloscope le signal analogique correspondant. Dans vos kits de robotique, vous avez des capteurs de ce type-là. Je vais l'ouvrir. Donc, ici, on a le capteur en question. Nous, on a quatre broches. Et en dessous, c'est quand même assez bien indiqué. Je peux peut-être utiliser cette caméra-là. Donc ici, en dessous, on voit VCC, Ground, et D pour Digital, puis A pour Analogique. Donc, dans un premier temps, on va se connecter juste les trois broches. Puis là, pour me simplifier la vie, je vais utiliser les connecteurs du pont qui sont fournis dans les kits. Donc, ça nous donne ça. Bon, j'ai pas vraiment suivi un gros code de couleurs, mais j'ai juste pris ceux que j'avais disponibles. Donc, le blanc pour le vivant, le ground pour le noir, puis mon signal, c'est le gris. Le gris, je viens de l'envoyer sur PB6, on va changer le code après. On peut voir l'opération là, au niveau du capteur si je mets une présence en dessous, dépendamment de la distance que je me trouve, il détecte ou il ne détecte pas. Je le mets de côté ici pour montrer à peu près la distance à laquelle il réagit en ce moment. Et on pourrait ajuster le niveau de comparaison pour changer la distance de détection. On voit qu'il détecte quand même assez loin. Mais maintenant, il faut que je me rapproche un petit peu plus pour qu'il détecte. Donc, on peut vraiment ajuster la profondeur de sa détection.
avec le petit potentiomètre qui est ici, qu'on pourra faire des tests en fonction de ce qu'on aura de besoin. Il va rester à changer le code. Donc, premièrement, on a dit au niveau du masque, on va dire ici 7 pour activer aussi 6. Pour le reste, on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas de pull-up à activer. Ici, c'est un signal. Il nous envoie 1 ou 0. Donc, on n'a pas de pull-up à mettre. Dans l'interruption, je vais ajouter ici. Bon, on va s'ajouter une variable. Puis maintenant, bien, ça va déclencher à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit les boutons, mais dans ce cas-ci, on le sait, là, ça ne sera pas les boutons, on va juste jouer avec le capteur. Puis finalement, bien, ça nous prend un message. Donc, quand il y a un message à envoyer maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est de tester le message en fonction de objet détect. Donc, ça ici, je peux les enlever temporairement. Maintenant, on peut se faire un petit afficheur qui nous affiche directement là. Quand il détecte ou quand il ne détecte pas. Donc, des fois, il y a des petits moments de transition. Quand je vais être proche, il va devenir on-off et il va varier là. Ça, naturellement, on pourra filtrer ce genre de problème-là éventuellement. Ça, c'est pour le capteur de distance, de présence ou de distance, dépendamment de ce qu'on veut faire. Là, si on l'utilisait en analogique, on pourrait peut-être s'en servir pour détecter une distance, mesurer une distance. Nous, on va le détecter, on va s'en servir pour détecter la présence d'une ligne au sol. Bon, au niveau du montage, ce que j'ai fait, je vous ai ajouté la sonde sur la partie analogique. Puis l'oscilloscope qui va nous montrer le signal en fonction, au fond, de la distance de l'objet. Donc là, naturellement, il y a un petit temps de réponse de la part de l'oscilloscope. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. On va juste le mettre ici. De manière là. Et on va utiliser un bout de papier. On peut voir le signal. Donc lui, c'est sûr, il réagit. On a sûrement mis la comparaison quand même assez basse. On peut voir le signal qu'on observe à l'oscilloscope. Il est vraiment en fonction de la distance de l'objet par rapport au capteur. Donc, éventuellement, on pourrait faire un espèce de système pour détecter la distance, mesurer la distance à partir de ce capteur-là. Il y a un autre type de capteur qu'on va utiliser dans nos projets qui utilise l'infrarouge, c'est l'encodeur de roue. Donc, le capteur comme tel, c'est pas l'encodeur de roue, c'est un capteur qui permet d'encoder la roue. Comment ça fonctionne? C'est après les moteurs, il va y avoir une roue dentelée. Donc, cette roue dentelée-là, ici, il y a des petites ouvertures. Les ouvertures vont passer dans une cavité qui est ici. D'un côté, dans ce capteur-là, ce qu'on a, c'est la LED émettrice et de l'autre côté, on a le récepteur. Donc, quand il n'y a rien entre les deux, naturellement, la polarité se fait, la polarisation se fait. Donc, on a un niveau ground, mettons, qui va se faire ici. Donc, l'énergie est suffisante, mais quand on obstrue, donc quand on. Ici, on a la partie pleine de la roue dentelée qui arrive entre les deux. Bien, naturellement, là, l'énergie est plus suffisante pour polariser la partie réceptrice et le signal va monter à 5 volts. Bon, l'année passée, on avait ce capteur-là qui utilisait un comparateur, dans ce cas-ci, le LM393 qui est celui qui est présent sur le capteur qu'on utilise pour la ligne. Mais bizarrement, il réagissait mal dans plusieurs cas. Il était très bruyant. Puis, bon, il y avait plusieurs astuces pour le rendre moins bruyant, entre autres, d'ajouter des condensateurs. Donc, on peut voir ici, il n'y a aucun condensateur sur leur circuit. C'est un circuit qui était extrêmement sensible au bruit.
Donc, il réagissait bien au bruit. En fait, on en voyait beaucoup. Donc, on ajoutait nous-mêmes nos condensateurs. Mais bon, un des avantages de celui qu'on utilise cette année, c'est que, ben, premièrement, il y a deux condensateurs déjà inclus dans le circuit. Puis, il réagit quand même assez bien. Bon, les valeurs ne sont pas les mêmes non plus. Donc, par exemple, on va voir là, ici, on a une 20K au lieu d'une 10K. Ça fait qu'au fond, la partie ici, elle est plus réactive. Ça fait en sorte aussi qu'il réagit vraiment bien, là. Donc, ça évite qu'il oscille dans son état de sortie. Cette année, ça fonctionne quand même assez bien, comme vous allez voir. La roue dentelée comme telle a le 20 encoches. Donc, au fond, avec les transitions, nous, on va pouvoir compter, ça fait combien de tours qu'on fait. Donc, on va pouvoir compter la position de nos moteurs, observer la position de nos moteurs avec les roues dentelées. Ça va être votre laboratoire. Bon, la fréquence de mesure maximum, c'est 100 kHz. Donc, rendu à une certaine vitesse, bien, probablement, il y a des mesures qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Puis ça va être par rapport au fond au temps de polarisation du capteur ici à l'interne. Puis dépendamment de comment c'est polarisé fort ici de ce côté-ci, celui-là c'était 100 kHz qui était désigné comme sa fréquence maximum pour la mesure. Bon, à 100 kHz, nous on a 20 encoches, ça ferait 5000 tours par seconde. Je pense pas qu'on va atteindre ça avec nos moteurs, fait que c'est pas vraiment un problème dans la configuration qu'on utilise. Cette année, le circuit est un peu différent, comme je disais. Bon, bizarrement, il est plus petit le circuit, il y a moins de choses dessus, mais il réagit mieux. En tout cas, il fait moins de bruit. Ben, il n'y avait pas dans ceux que j'ai testés. Donc, ici, on a le capteur, mais cette fois-ci, ils ont acheté un condensateur de découplage à son entrée. Il est polarisé un petit peu plus sévèrement. Donc, ici, on peut voir, là, d'un côté, il l'a emmené avec un 200 au lieu d'un 350. Donc, la LED émettrice, elle émet plus fort et ça fait en sorte, non seulement qu'on va imposer un ground plus solide et, en contrepartie, la pull-up est plus faible. Donc, ça va être encore plus facile pour le ground de s'imposer. C'est peut-être ces choix-là combinés qui fait en sorte que ce circuit-là est beaucoup moins bruyant. On a l'approche avec un inverseur. Bon, l'avantage d'utiliser un inverseur, c'est quand même que la zone grise dans le milieu, là, la zone où ce qu'on va passer ben, du niveau bas vers le haut et haut vers le bas, ben, il y a un Schmitt trigger ici là-dedans. Donc, pour passer d'un niveau à l'autre, normalement, il faut passer des niveaux différents. Donc, ce n'est pas à 2,5 là, qui décide de basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, ça aide aussi là, à enlever un petit peu de bruit. Un autre condensateur de découplage, puis ben, c'est pas compliqué, il y a trois pins. Donc le VCC, le ground et le signal. Donc on peut voir le VCC est au centre, le ground qui est à la pin 1 et la pin 3 qui est notre signal. Donc il a sorti ici Y2 qui correspond à l'entrée inversée de A2. Encore une fois, on a nos 20 encoches et la fréquence maximum de mesure qui était donnée, c'était 100 kHz. Dans ce dernier exemple, ce qu'on va faire, on va encore utiliser PB6. Bon, c'est se donner un peu de trouble dans le sens où, dans ce cas-ci, on ne peut pas le configurer, puis on est comme pris avec des éléments qui nous viennent de d'autres. Mais bon, pour le moment, là, on va juste quand même l'utiliser pour montrer qu'on peut le faire. Donc, encore sur PB6 pour notre capteur. De cette façon, on va mettre l'encodeur au lieu du capteur de distance. Pour le niveau du traitement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un état précédent. Je m'explique pourquoi on aurait besoin de ça. À partir du moment où nous, ce qui nous intéresserait, par exemple, c'est de mesurer quand est-ce qu'il passe de 1 à 0. Puis, s'il y a juste lui qui déclenche cet élément-là, ben, ce n'est pas supposé être un problème. Bon, le problème, c'est que si on faisait ça, mettons, avec plus qu'un capteur et qu'il y a plus qu'un capteur qui emmène le niveau bas en même temps, ben là, est-ce que je l'incrémente une deuxième fois quand le deuxième le fait une milliseconde plus tard? Donc, ça va être difficile de savoir lequel déclencher en premier. Donc, avec un état précédent, ben, on va être capable de dire, ben, c'est PB6 qui vient de faire une transition de haut à bas, puis qui m'emmène dans l'interruption. Pour savoir ça,
Mais on peut garder l'état précédent du port B au complet dans une variable qui s'appelle encodeur état précédent. Donc, ça nous permettrait d'avoir plusieurs encodeurs sur la même vecteur d'interruption. On teste le bit correspondant, donc le bit 6 dans les deux cas. Puis on regarde, est-ce que maintenant ce bit-là est à 0 et qu'avant il était à 1, donc on est un front descendant. Si oui, augmente l'encodeur. Le compteur d'encodeur, puis là, ça va être l'encodeur, on prend encodeur gauche et droite. Donc, on a juste un encodeur en ce moment. Puis dans le message qu'on va générer, bon, on va juste envoyer la quantité de code qu'on a détecté. Donc théoriquement, si on fait un tour complet de roue, on devrait avoir 20. Donc, dans votre kit, vous avez vos roues et vous avez les petites roues avec les encoches. Donc naturellement, d'un côté, dépendamment du côté qu'on le place, là, de ce côté-ci, on voit que le plastique blanc il est de la même longueur des deux côtés. Donc, c'est à nous de choisir, dépendamment de ce qu'on fait. Donc, d'un côté, on va avoir la roue, puis de l'autre côté, on met l'encodeur. Il y a juste une façon de le placer. Donc, c'est placé dedans. Dans ce moment, on ne va pas le mettre complètement au bout. On pourrait ajuster pour qu'il y ait de frottement mécanique avec notre capteur. Donc, pour brancher, encore une fois, bon, le ground, le 5 volts dans le milieu, puis le signal de sortie sur mon signal gris. Donc, c'est exactement le même branchement que tantôt. La seule différence, c'est que maintenant, il va pouvoir mesurer les encoches de la roue. On peut voir si on fait tourner la roue dedans. Je vais le faire de façon manuelle, là, pour le moment. On peut voir le LED, là, qui va clignoter au fur et à mesure que les transitions sont détectées. Donc ça, naturellement, on ne va pas tenir ça dans nos mains tout le temps comme ça. Quand on va faire le montage, éventuellement, vous allez installer les capteurs. Vous allez installer les capteurs dans leur position pour qu'ils puissent mesurer les roues. On peut les voir là sur. On a l'ancien capteur d'un côté, le nouveau capteur de l'autre. Donc, le capteur de roue, et on le voit peut-être un petit peu mieux. Donc, il nous permet là d'aller mesurer directement est-ce que la roue tourne ou elle tourne pas. Donc, pour la démo, je vais utiliser le capteur qui est installé sur mon robot. Puis, quand je vais faire tourner la roue, on va voir sa détection. Se faire. Et pour bien voir qu'il fait un tour complet, je vais mettre la roue ici sur le côté. Ça, on voit bien là, quand la roue va tourner, combien de tours est-ce qu'elle va avoir fait, puis est-ce que le compteur correspond. Ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à mettre le code à jour. Bon, au niveau de l'interruption, on va avoir deux nouvelles variables à créer. Donc, l'encodeur état précédent. On va voir naturellement, lui, ben, après qu'on a fini de faire nos tests, il faudrait récupérer l'état de pin B précédemment. Donc, comme ça, ici, on garde le port au complet. Si on a plusieurs capteurs, bon, on peut faire le même test sur la même variable avec un bit différent. Puis, ben, on a notre compteur ici. On va utiliser cette variable-là. On n'a plus besoin du reste. On a le refresh serial qu'on va garder. Comme ça, on ne va pas générer des messages inutilement. Donc ça, c'est correct, c'est réglé. Il reste l'affichage. On en va sur la console qui va nous donner le nombre de coches qu'on a vues. Théoriquement, un tour devrait correspondre à 20. On voit ça. Donc, si on fait tourner la roue un tour complet, ça aura peut-être plus que 20 coches parce que naturellement, il y a de la vibration peut-être que je déclenche plus qu'une fois. On va le faire avec le moteur alimenté.
Donc ici, j'allais déclencher plus qu'une fois, quelques fois. Donc on va le faire tourner avec le moteur. Donc si je pars, on essaie de faire un tour. Donc là, j'ai fait un tour précisément. Donc ça va à 20 coches exactement. Naturellement, là, avec un test comme ça, fait à la main, ça peut varier. On peut faire quelques tests, puis on va se rendre compte que des fois, il va passer un ou deux sur une dizaine de tours. Naturellement, quand on va avoir un contrôleur, on n'a pas ce problème-là parce que le mouvement va être beaucoup plus fluide. Il ne sera pas saccadé comme en ce moment là, où ce que je passe brusquement de 0 à 5 volts continu sur mon moteur. Donc, on va faire ça de façon progressive. On va utiliser notre PWM. On va vouloir faire 4 tours, par exemple, puis on va utiliser ben, justement la rotation de notre moteur. Fait qu'on va tourner notre moteur en sorte de faire exactement 4 tours en utilisant l'encodeur comme information. Ce qui va permettre, par exemple, de faire du positionnement. Dans notre cas à nous, on a de la place juste pour 2 encodeurs. Donc, on va juste mesurer 2 des 4 roues, donc gauche puis droite. Ça devrait être quand même suffisant pour faire un positionnement correct. C'est sûr que ça aurait peut-être été parfait avec 4 roues, mais nous, on va assumer que les roues glissent pas trop. Donc, on va faire attention peut-être à la vitesse à laquelle on les fait tourner pour éviter qu'ils glissent trop. Si on limite quand même le glissement, on devrait avoir un positionnement relativement bon à partir de simplement ce capteur-là. Donc, on peut faire avancer notre robot en ligne droite, le faire tourner de 90 degrés, le faire diriger encore quelques centimètres dans une direction. Donc, on va pouvoir suivre un parcours très précis, relativement précis, avec le robot, simplement avec les capteurs de roue. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va faire éventuellement quand on va tout assembler, là, les choses qu'on est capable de faire maintenant. Et aussi quand on va faire, par exemple, le suiveur de ligne. Okay, on a deux facultés, on a deux fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre à notre robot. Éventuellement, le suivre la ligne avec le capteur infrarouge au sol et faire du positionnement relatif à partir des capteurs de roue. C'est déjà tout pour la présentation. Donc, aujourd'hui, on a vu les interruptions externes. On a discuté, bon, on a vu qu'il y en avait des synchrones, asynchrones. Bon, synchrone, asynchrone, c'était juste qui avait besoin d'horloge. Les configurables ou fixes, combinés ou seuls. On a vu les interruptions externes qui étaient disponibles sur le ATmega 32U4. On a fait une petite discussion sur la détection infrarouge, ben, présence, détection de noir ou blanc, puis le capteur infrarouge qui sont utilisés dans le cours aussi par rapport à ben, la détection de la présence de la roue. Donc, on a vu différents types de capteurs. C'est maintenant tout. À bientôt dans une prochaine vidéo.